ça. Non. Je serai le dernier. Et vous ouvrirez la marche. Galado, je peux vous les montrer. Je vous en prie, je vous en supplie. Ok, donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous nous retrouvons sur ce jeu Baldur's Gate. Ah là 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 là, c'est un assez vieux jeu, j'ai plus la date de sortie mais voilà. Je suis retombé sur ce jeu là récemment et puis j'ai un ami qui m'a dit qu'il me fournirait le 2 prochainement. S'il retrouvait le jeu, normalement j'ai un ami qui a le 2 et qui devrait me le refiler. Alors, on va se créer une nouvelle partie. Alors, donc on va prendre évidemment un personnage masculin. Alors, je prendrai celui-là, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a d'autres personnages. Normalement, le son doit être bon. J'ai réglé le son avant la partie. J'aime bien celui-là, il ressemble à Alexandre Astier, je trouve. Voilà. On a fait le tour. Ok, race, je veux un humain de classe. Alors j'hésite toujours entre guerrier et paladin. On va prendre un palouf. Forcément, on n'a pas le choix, on sera en loyal bon. Les caractéristiques. Alors, là, on va commencer à s'amuser. Je vais réduire ma constitution. Il m'en manque un, bien sûr. Alors, j'ai 45 de bonus. Non, je veux plus. 7, non. Intelligence. 21, non, mais c'est tout de moi. Ça va venir. Hein. Ah, 85, c'est nickel ça. Ok, ma constitution, je l'avais au max également. Mon charisme, la sagesse, je peux pas plus. Dextérité, je peux réduire. Alors, si je dis pas de bêtises, de toute façon, l'intelligence c'est pour les mages, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Je fais ça. Et la sagesse, c'est pour les prêtres. Pas très intéressant. L'intelligence. On va avoir des pouvoirs pendant le. Ok. Bon, bah on va prendre ça. Talent. On va se mettre plus d'un en arc et plus de en corps d'épée. L'aspect, on va laisser tel quel. Et on va prendre homme 3 en voix. Passons aux choses sérieuses maintenant. Yeah, biatch. Et en nom, évidemment. Yeah. Et maintenant, je vais me taire en vous laissant la première cinématique. Et je vous dis à tout de suite.
citadelle de Château-Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à Féérune. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs saints de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu 20 ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée, vous donnant des instructions hâtives pour que vous vous prépariez à partir en voyage. Il vous a remis le pot d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château-Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Voilà donc le prologue donc de Baldur's Gate. Alors Baldur's Gate, c'est un jeu assez vieux, hein, je l'ai dit, assez violent pour son époque. Vous avez vu un petit peu qu'il y avait pas mal de jeux de myrtille, hein, dans la cinématique d'intro. Mais sinon, un très très bon jeu, hein, de type un petit peu RPG. C'est un petit peu le style, donc c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Les graphismes pour l'époque sont plus que tolérables, ils sont même très très bons pour l'époque. Au niveau musical, je pense que vous avez entendu, c'est génial, c'est absolument magnifique. Et au niveau du gameplay, eh ben, on va voir ça tout de suite, on va voir ça au cours de cette séance. Alors normalement, chacun des épisodes durera environ une heure. C'est fait. Et puis, puis on verra bien que c'est fait. Les zombies sont si rares de nos jours. Je vais peut-être baisser le son des voix. Au même titre que les autres. Parce que sinon, ça va être rapidement. Je crois que j'ai fait annuler. Non, c'est bon. Et retour. Alors, désolé d'avance pour le. La résolution, malheureusement, je suis. Mais le jeu est en résolution de 800 pixels sur 600. Ça doit être ça. Et je peux pas faire autrement. Donc voilà. Enfin, un peu plus. À mon avis, ça doit être 800 sur. Ouais, ça doit être ça. Bref, j'ai deux grosses bandes noires de chaque côté de l'écran, moi. Je pense pas que vous les aurez. Mais moi je les ai, ce qui réduit vachement mon écran. Mon écran c'est à 17 pouces, hein, normalement. Et là bah, je joue sur l'équivalent bah, d'un 13 pouces peut-être. Voilà. Bon, donc et puis il va y avoir donc énormément de lectures au cours de ce jeu. C'est le principe du RPG, hein, donc. Perle Flamme de Cheveux d'Elfe. Donc voilà, donc c'est le nom du personnage à qui on parle. Ah oui, me voilà de retour dans les chambres sacrées de Château-Suif. Donc Château-Suif, c'est le château dans lequel on se trouve actuellement, et on va pas y rester longtemps. Avec cette crise du fer, le voyage depuis Beregost était plus périlleux que je n'ose le compter. Vous êtes l'enfant adoptif de Gorion, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez grandi. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce qu'un vieil homme jaloux de la jeunesse dise cela. J'ai laissé un parchemin d'identification à Théoril dans les terres de l'intérieur. Il devrait avoir fini de l'examiner maintenant. Alors, si vous pouviez aller me le chercher, je vous en saurais gré. Voilà. Donc ça va être énormément de petites quêtes comme ça. Comme dans tous les RPG. On va voir un petit peu ce qu'on va faire dans un premier temps.
Donc, première chose qu'on va faire, c'est sauvegarder. Alors, j'avais déjà commencé une partie pour refaire des tests, évidemment, de jeu. Donc, on va les supprimer et on va sauvegarder une nouvelle partie. Ok, C'est et on fait. va faire quelque chose. Premièrement, c'est qu'on va piller un petit peu en espérant ne pas se faire prendre. Là, je crains le pire, mais on va quand même essayer. Par là, il y a du monde, donc normalement, on pourra pas. Là, ici, il y a quelqu'un donc qui est éveillé, donc on pourra pas piller. Ici, il va nous voir, je crois. De toute façon, il n'y a rien ici. Et ici, on va pouvoir piller ce qu'il y a ici, normalement. On n'avait pas réussi. On n'avait pas réussi. Non, toujours pas. Parfois, faut insister. Il veut pas. On reviendra. Non, de toute façon, on ne reviendra pas ici. Donc voilà. Bon, donc voilà. Normalement, ici, on peut Tâche également facile. prendre quelque chose. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et je me tire. On achètera l'équipement plus tard. Ah oui, non. Ouais, oui. On va déjà faire les 2-3 C'est quêtes. fait. Ah, bah la Fidia, j'avais un. Je savais bien qu'il y avait un livre que j'avais récupéré à la partie précédente. Je savais plus à qui la donner et c'est à elle. Donc déjà on va faire ça. Donc oh bonjour, excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon exemplaire de l'histoire d'Alrua. Vous comprenez, je ne supporte pas le froufrou constant des pieds arythmiques. Dans la bibliothèque, alors j'ai décidé d'aller prendre l'air juste à l'est et oh, comment peut-on être aussi tête en l'air, s'il vous plaît, si vous le trouvez, j'en ai vraiment besoin. Ok, donc il est ici. Voilà. Et lui. Voilà, et puis. Voilà. Alors, belle journée n'est pas vrai. Dommage que Nessa puisse pas en profiter, malade comme elle est. Donc Nessa, c'est. Oui, c'est sa vache. Hein, qu'on soit d'accord. Il faut que je ship l'une de ces potions d'antidote à Hull. Il est resté boire hier soir hein, et il s'est fait tirer du lit tôt ce matin pour garder la porte. Je parie. Alors, je parie. Vous savez, c'est vraiment le patois. Je parie, voilà, hein, qu'il y en a qui traînent quelque part. Voilà. Donc parfois au niveau des dialogues, c'est pas facile à lire parce que c'est pas du français correct, mais c'est fait pour. Donc voilà. Donc ici on a le temple. Le temple, je crois qu'on peut vendre ce qui. Ces murs renferment le savoir du monde. Ok, voilà, vous, ouais, La sagesse n'appartient qu'aux plus instruits. non. Ok, donc là on peut faire des dons, et je ne peux pas vendre ce que j'ai là. Ok, bon, tant pis. On va continuer, on va aller jusqu'aux portes. Salut toi. Ici, je sais plus ce qu'il me veut.
Salutations MDJ de Normandie, vous êtes debout de bonne heure aujourd'hui. Votre père Gorion m'a demandé un étrange service. Je crois qu'il voudrait que vous appreniez à vous battre. Et il m'a demandé d'être votre professeur. J'espère que vous avez apporté votre bâton. Les créatures hostiles ont des cercles rouges autour des pieds. Si vous cliquez à l'intérieur du cercle, vous m'attaquerez. Vous pouvez changer d'arme en cliquant sur les icônes d'armes rapides. Ah oui, c'est vrai, c'est un entraînement au combat, ça. Ouais, bon, enfin, voilà, quoi. Voilà. Pendant notre combat, je vous ferai une petite surprise. N'oubliez pas, vous pouvez appuyer à tout moment sur la barre d'échappement pour mettre le jeu en pause. Cela vous laissera le temps de réfléchir. Surtout au moment où ma surprise arrivera. Êtes-vous prêt? Parfait. Ok. Donc c'est qu'un entraînement, hein, donc on... Ok, c'est bien mon enfant. Surtout après qu'Eric a commencé à tirer des flèches sur que votre père serait fier si vous voulez apprendre à vous battre au sein d'un groupe. Allez voir le portier. Il est au sud. Ouais, alors par contre, coupe-moi cette musique s'il te plaît. Voilà, merci de couper la musique. J'espère qu'elle est pas trop forte cette musique. Bon, voilà, on a vu un petit peu comment se battre. Bon, là-dedans il y a des rats. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ici? Tiens, non, il y a rien. Ok. Voilà, donc on va buter des rats. J'adore parce qu'il y a des chats là, mais rien à foutre des rats, quoi. Non, attendez. Je suis sûr que la musique était trop forte. Voilà. On se passera de la musique, mais la musique, franchement, je vous la conseille. J'ai vu que le jeu était... toujours achetable en ligne pour une vingtaine d'euros. Moi j'avais déjà le CD. Une bague. Je me souviens avoir récupéré une bague arrivée à un moment, mais et puis c'est bizarre parce que je l'ai revendue super cher, mais je suis sûr qu'elle est liée à une quête. Ok. Voilà, bon, 50 d'expérience, 5 d'or. Ok. On va continuer. Normalement, les portes sont par là. Ouais, on y arrive. Ok, attendez, je regarde juste le chrono. On est à 20 minutes. Alors, ces séances dureront une heure, je pense. Un peu moins. Parce que je sais que certains d'entre vous me suivent sur les supports mobiles, tels que les tablettes et les smartphones. Elgos, je me suis réveillé ce matin. Elgos, déjà, tu respectes, s'il te plaît. Je me suis réveillé en retard ce matin et j'ai laissé mon épée dans mes quartiers avant de prendre mon service. Avant de prendre mon service. Tu parles français, s'il te plaît. Voudrais aller me la chercher. Alors, la phrase exacte, c'est: est-ce que tu voudrais aller me la chercher? Et puis, s'il te plaît, connard. Alors, elle est dans le coffre au pied de mon lit, du côté droit de mes quartiers. Faut faire vite avant que le portier ne m'attrape. Il y a aussi un antidote là-bas, je crois que Drepin en a besoin pour Nessie. Donc, encore une fois, je vous rappelle, hein, donc le fermier et sa vache.
Par là, il y a... Le règlement ouais. est très strict. Ok, oui, portier. Voilà. Alors, attendez. Alors, partez bientôt. Gorion m'a parié. Enfin, m'a parié que vous. Non, m'a prié de vous initier un brin aux nobles arts du combat de masse avant votre départ. Cela vous intéresse, MDJ de Normandie Cela vous intéresse-t-il, MDJ de Normandie, s'il te plaît. Oui, portier, je vous en serai très reconnaissant. Donc, malheureusement, voilà, j'ai l'impression que le jeu a parfois été un petit peu traduit à l'arrache. Hein. Parfait, bon savoir de mes... Bon savoir se maîtriser dans le feu du combat. C'est une chose, mais savoir maîtriser un groupe, c'en est une autre. Ça s'écrit pas comme ça. Je crois que c'est un S apostrophe. Hein. C'en est une autre. Je vais parier... Obillusionniste. De vous faire quelques simulations... Dans les caves, suivez-moi, je vais vous ouvrir les portes. Ouais, alors, ici, je sais que c'est un... C'est comment ? C'est un hôpital, il n'y a rien d'intéressant dedans. Et on ne peut rien piller sans se faire prendre. La sagesse n'appartient qu'aux plus instruits. Voilà. L'arme légère demande, le portier m'a demandé... de préparer une petite fête d'adieu à votre honneur. Un peu de combat de masse s'impose. À mon avis, je vous faciliterai la besogne. Candérous, Morgane, voilà, bon, bah, ce sont les noms des différents personnages que l'on va contrôler d'ici peu. Seront tous de la fête. Vous aurez un total contrôle sur eux, comme sur quiconque pourrait vous accompagner durant vos prochains voyages. Alors, là, on va voir, c'est le combat de groupe, parce qu'on peut avoir jusqu'à, il me semble, 6 personnes dans notre groupe. C'est ça. On peut, donc, avec nous, en fait, on est 6. On peut avoir un groupe de 6 personnes au total. Donc, on est parti. Dès qu'ils auront rejoint votre groupe, je vais convoquer plusieurs illusions de monstres courants que vous pourriez rencontrer hors de la sécurité de ce château. Ces illusions attaqueront votre groupe et ce sera à vous de donner des ordres nécessaires pour les éliminer. N'oubliez pas, les créatures sont des illusions. Elles ne pourront vous faire aucun mal, mais faites de votre mieux pour les tuer, car dans le monde réel, la douleur, le mal et même la mort sont bien plus réels. Certains de vos camarades posséderont des objets magiques, potions et baguettes. Par exemple, vous devrez les installer dans les unités rapides. Des personnes qui les détiennent... Certains possèdent aussi des sorts. Vous pouvez les utiliser pendant le combat. N'oubliez pas, même les voleurs, les guerriers peuvent maîtriser ces formes de combat plus ésotériques. On dit ésotérique ou isotérique ? De temps à autre, je vous demanderai si vous en avez assez. Si tel est le cas, je vous ramènerai dehors par téléportation. Au contraire, si vous désirez continuer à vous entraîner, je vous créerai d'autres illusions à combattre. Tout est prêt, alors c'est parti. Ok. J'ai besoin d'une... Voilà, donc ici on a donc nos personnages. On peut mettre en pause pour regarder les inventaires, même si de toute façon je ne peux rien prendre quand je serai téléporté. Tous les objets qu'il possédait. Dommage parce que lui il a une superbe armure. Voilà un petit peu à quoi ressemblent les inventaires. Donc lui il a des flèches alors qu'il n'a pas d'arc, trouve l'erreur. Enfin si, il a un arc dans son inventaire. Ouais, bon, ok. Voilà. Ok. La sagesse n'appartient qu'au plus J'en ai assez, emmenez-moi dehors. On va pas s'attarder là-dessus. D'accord, une fois que je vous aurai téléporté, vous ne pourrez plus revenir ici. C'est pour votre sécurité, car les illusions que j'utilise sont parfois dangereuses. Ok.
Ok. Bon, ben, je reviens. Ok, donc très bien. Attendez, oui, j'ai relancé le record. Comment? Donc, je suis revenu, donc j'ai pas fait l'entraînement, et puis de toute façon, il est facultatif. J'ai re-sauvegardé parce que je me suis retrouvé à la taverne, donc tout à refaire. Hors caméra, mais voilà, je suis au même point que là où nous nous étions quittés. Ça doit être verrouillé. Non, même pas. Hop, merci, cadeau. Et ici, donc c'est. J'ai une lame avec votre nom dessus. Ok, j'ai dû me planter. Passons aux choses sérieuses maintenant. Alors là, je le sens mal. Parce que je suis pas du tout, mais alors pas du tout équipé. Bah, j'ai eu de la chance. Bon. Une dague, et bah, on va pouvoir piller ce qui est ici. Bah, je savais pas qu'il y avait cette maison-là qui était. Qui était. Comment dire? Qui était entre guillemets piégé, où on nous attendait. Je sais qu'il y a une autre maison que j'ai passée où il y a un piège, mais j'attendais d'être équipé pour y aller. Oui, bien sûr. Donc la maison des gardes, c'est à côté. C'est là où je voulais aller. Vous avez quelque chose en tête? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ah oui. On va se la jouer gros bras. Alors attendez, j'ai entendu des cris MDG de Normandie. Est-ce que ça va? Il vaut mieux que vous ne vous posiez pas de questions, Karan. Vous m'avez instruit et inspiré pendant toute mon enfance et votre cour se briserait si vous saviez ce qui vient de se passer ici. Oh mon enfant, vous êtes trop jeune pour cette vie dans laquelle on vous pousse. Courez rejoindre Gorion si vous avez tout ce qu'il vous faut pour le voyage. Et il est sur les marches de la bibliothèque et pressé de partir. Je sais, on ira sur la fin. Merci pour les 8 pièces d'or. Ok, et ça, c'est donc. Ok, je vais couper TeamViewer parce que tout le monde est en train de se connecter. Attendez, Oui, bien sûr. je le ferai tout à l'heure à la prochaine pause. Pour le moment, on va les récupérer donc l'antidote et l'épée. Une tâche facile. Ok. De toute façon, par là, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va. Alors, on va juste remarcher jusqu'à l'auberge. Ah, même jusque ici, par là. Bonjour la Et on va compagnie. rendre son livre à Flydia. Oh mon livre, oh vous me rappelez Gorion quand vous souriez comme ça. Ah, celui qui a goûté vous en, celui que vous élevez, je sais. Enfin, faut que je vous laisse lire, franchement, parce que j'en ai marre de lire tout ça. Il y a beaucoup de trop de textes. Sans compter que moi, je l'ai déjà lu tout ce texte. Voilà, bon, première quête. Ah, le groupe a acquis un objet. Qu'est-ce qu'on a eu en échange? On a eu un. D'accord, un bijou. Enfin, c'est des pierres précieuses. Ok. Ok. On va en profiter tant qu'on a l'épée. Se battre avec. Ciao.
Alors, bon, si je vais vous lire quand même un petit peu. Oh, très bien, très bien. Je suis venu et je vous ai trouvé en premier. Vous êtes l'enfant de Gorion, sans doute. C'est moi que puis-je faire pour vous. Oh, notre rencontre sera très simple pour vous. Pour parler crûment, ma mission consiste à vous tuer. Wow, charmant. Si je réussis, j'obtiendrai un peu de respect de mes pairs. Alors, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que mourir. Une tâche facile. Ouh, c'était violence. J'ai fait un coup critique. Il y a de la bidoche partout. Merci pour les pièces d'or, ça me fera de l'équipement en plus. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller acheter de l'équipement maintenant. MJ Normandie, vous êtes fait une coupure au front là. Qu'est-ce qui ne va pas, mon enfant? Quelque chose dans vos yeux me dit que ça ne va pas. Ce n'est rien, Pardos. Un chat qui n'a pas apprécié mes caresses. Ça va bien, vraiment. Ouais, parce que là, c'est marqué. C'était horrible. Non, j'ai envie de jouer un petit peu les gros durs. Oui, très bien. Prenez ce qu'il vous faut à l'auberge. Gorion veut absolument que vous partiez. Voilà, donc visiblement, on veut notre mort. Hein. Une tâche facile. Si maintenant on n'est pas fixé, Que on ne sera désirez-vous? jamais. Ok, splendide. Restez avec moi et on ira loin. Enfin bon, si vous restez avec moi, on ne dépassera jamais, sans doute, les murs de Château-Suif. Heureusement, tout de même, que vous portez pas sur le dos une de ces armures en métal, parce qu'il paraît que ces bandits ont tôt fait de vous tuer et de vous la prendre. J'espère que toute cette affaire de fer va vite se régler. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu aussi une histoire dans le truc. Donc ça, c'est la carte du monde. On a les principaux. On a, bien sûr, il y en aura d'autres à découvrir. Et ici, les mines de Narskel, en fait, sont, comment dire, sont envahies de kobolds, donc de créatures démoniaques. Et donc, résultat, le fer n'est plus exploitable parce que les mines sont devenues trop dangereuses. Donc évidemment, donc eh ben il y a une pénurie de fer dans tout le monde où on se trouve. C'est juste pour vous expliquer un petit peu le background de l'histoire, parce que sinon, voilà, faudrait lire tout ce qui se note dans le journal. Et j'en ai pas envie, franchement. Donc voilà. Ok, on va revoir Ulule. Avant, on va passer par ici. Oups, excusez-moi pour le coup dans le micro. Bah, sont pas là les portes? Non, sont là les portes. On va rapidement aller voir. Alors, une de nos amies, Imoen. C'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Voilà, Imoen. Je suis surprise que ce vieux coincé de Gorion vous laisse tranquille avec vos études et les corvées. La vieille rengaine. Je me tire aussi le vieux Winsfrop, alors je sais pas le prononcer. Gros ventre me cherchait, mais j'ai tout le temps de m'occuper de ces corvées. Vous avez le temps pour une histoire aujourd'hui? Non, je vois bien que non. Qu'avez-vous fait de beau jusqu'à maintenant? Je crains de ne pouvoir discuter aujourd'hui, ma petite. Mon père adoptif souhaite. Alors, je vais toujours la jouer honnête, au mieux possible. Comment ça, ma petite? Je suis pas beaucoup plus jeune que vous. Vous avez grandi vite, bien que vous ayez grandi vite. En tout cas, pas beaucoup plus. Un voyage, un de. Je ne voyage jamais. J'aimerais pouvoir y aller avec vous. Ouais, j'aimerais vraiment, oui, vraiment.
Ça va, j'ai compris. Je vais demander si vous pouvez venir avec nous. Avec nous. Oh, ne soyez pas stupide. Gourion ne vous laisserait même pas finir votre phrase. Surtout après ce qu'il a dit dans sa lettre. Aurais-je vendu la mèche? Non, bien sûr. Je n'ai rien dit. Jamais vu de lettre. Non, je retourne travailler. Maintenant, vous devriez partir. Gorion vous attend. Sachant qu'on la retrouvera plus tard et ce sera notre première compagnon, accompagnatrice. Mes hommages, Voilà, et jeune personne. c'est lui que je cherchais. Alors, Théoril, c'est Parleflamme qui vous envoie, n'est-ce pas? Bien, remettez-lui le parchemin. Puis hâtez-vous de parler à Gorion, il vous attend sur les marches de la bibliothèque centrale. Je vous rassure, mon enfant, qu'il s'agit d'une affaire urgente. Et Gorion, il est là. Donc, on ira lui parler à la fin, certainement, de cet épisode. Et ce que je veux, c'est aller parler à Hull. J'étais à peu près à 25 minutes, on a une demi-heure à peu près de vidéo. De toute façon, on fait juste les petites quêtes de Château Suif. Et puis voilà. Merci à Gorion Raisin d'avoir la chance d'avoir un... Voilà. En gros, on lui rend son épée. Et il nous donne 20 pièces d'or. Et on a gagné un petit peu d'expérience. Je vais juste vérifier. Voilà, 50 d'expérience. Et le groupe a perdu un objet parce qu'il nous a pris l'épée. Résultat, je me retrouve avec le bâton. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'une quête à rendre. On n'a plus qu'une quête à rendre et elle est là. Par contre, par contre, il y a juste un petit problème de pathfinding avec le jeu. C'est que si jamais le héros se heurte à un mur, en fait, il se pomme. Alors, faut toujours garder à l'œil nos unités. Voilà. Normalement, si je vais jusqu'ici, il devrait trouver. On va quand même le suivre. Voilà. Bon, donc, eh ben, excusez-moi. Donc, eh ben, je sais pas ce que vous pensez de ce jeu, mais moi, j'ai bien envie d'y jouer. Il est long, hein. Il est très long. Je vous préviens tout de suite. Je sais qu'il y a des Easter eggs pour tricher un petit peu. Je sais pas si j'en profiterai. Notamment un Easter egg pour avoir de l'argent, enfin, pour résoudre tous ces problèmes d'argent. Je sais pas si j'en profiterai ou pas. Voilà. Et puis on va Les voir. chevaliers sont si rares de nos jours. Voilà. Ah, je suis heureux de voir que votre âge n'a pas endurci votre cœur envers un vieil homme. Le vieil homme que je suis. Permettez-moi de vous jeter un petit sort. Pour vous protéger des démons que vous pourriez rencontrer ce soir. Protection contre le mal. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière d'elfe. Ouais. Hop, voilà. Donc, simplement, donc on va vendre tout ce qui. Tout ce dont on se fout, parce qu'on fait 10 pièces d'or supplémentaires. Et alors, on va voir l'armure, elle est à combien là? 95. Ah non, oui, il y a l'armure feuilletée qui est à 101 PO. J'aimerais bien me prendre ça. Ça avec une épée longue. Ah, il y a l'épée bâtarde aussi. Est-ce que je peux me prendre l'épée bâtarde? Ah, ça c'est cool. L'épée bâtarde, et est-ce que j'ai assez pour... Non, l'arc long composite, c'est mort. Je
l'air que court. Et puis, l'air que long m'intéresserait, mais bon, pas grave. Et au niveau des casques, je vais juste prendre un casque. Les épées, on va oublier. Est-ce que je peux quand même me prendre, c'est l'arc court. Avec l'arc court, je ne dépasse pas mon budget et je peux m'acheter des flèches avec. On achètera plus après. Hop. Voilà. Alors on peut essayer de voler, mais on va éviter. Ok, hop. Ouais, génial. Alors, un truc que je ne comprends pas, c'est ces trucs-là. Moins on en a, plus on est protégé. Ah, attendez. Classe d'armure. Ok, donc classe d'armure, plus on est bas dans la classe d'armure, et ça peut même aller jusque dans le négatif, hein. Plus on est protégé, en fait. C'est ça qui est bizarre. Hop. Ça, on va le mettre là et le bâton ici. De toute façon, hop, on va garder l'épée en main. Alors, on a un point de dégâts, mais c'est pas très très grave. Et on va aller voir. C'est fait. On est équipé. Ah oui, sachant qu'on a. Attendez. On a quand même un petit sort de soin. Donc, on va... Ah bah non, c'est vrai que Gorion, il va nous... Ah oui, non. On va pas passer par là. Parce que par là, il y a des prêtres qui chantent et ils sont très, très chiants. Donc, on va les éviter. De toute façon, on a rendu toutes les quêtes. Je suis très fier de vous. Ah. Allez voir Gorion et écoutez-moi bien, car sans la connaissance, la vie n'est que l'ombre de la mort. Ah, très belle phrase. Sans la connaissance, la vie n'est que l'ombre de la mort. Qu'on se retrouve. Ah oui, si, on y retournera à Château Suif sur la fin du jeu. On s'en fout, je suis prêt à partir maintenant. Et on va se terminer sur cette cinématique-là. Si jamais nous séparons, il faut impérativement rejoindre l'auberge du Brasse-Coureur. C'est là-bas que se trouvent Khalid et Jaira. Ce sont mes amis depuis longtemps et ils sont dignes de confiance. S'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Soyez sans souci, je m'expliquerai. Un instant, il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes. Vous êtes réceptif pour un vieil homme. Vous savez pourquoi je suis ici? Rendez-vous et personne ne sera blessé. Si vous résistez, vous le paierez de votre vie. Vous avez tort de croire que je vais vous faire confiance. Mettez-vous sur le côté, et aucun mal ne vous sera fait, à vous, comme à vos laquais. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, vieil homme. Est particulièrement cruel ce matin. Vous vous réveillez en prenant conscience que ce n'était pas un cauchemar.
Pris dans une embuscade, vous avez vu Gorion se faire abattre devant vous, et sa puissante magie n'a pas pu le sauver de ce violent assaut. Il vous a demandé de prendre la fuite, mais cela n'enlève pas le sentiment d'impuissance qui vous envahit à présent. Remettez-nous votre enfant, dit le félon en armure. Il en avait après vous, et vous seulement, mais pour quelle raison? Si seulement Gorion vous avait mis sur la piste, mais à présent, vous vous sentez seul et perdu. Château Suif n'est pas loin, et vous ne pourrez pas vous y réfugier. Les lecteurs paient pour leur sérénité avec des règles d'accès assez draconiennes, et sans l'intervention de Gorion, leurs portes demeureront fermées. Vous ne tiendrez pas longtemps sans aide et avec votre pauvre matériel. Peut-être pourriez-vous trouver de l'aide auprès des amis dont Gorion a parlé, ceux du bras amical. Voilà, alors je vais juste checker le temps pour vérifier. Hey, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Eh ben, on va récupérer Imoen. Et puis après, je sauvegarderai pour vérifier juste le temps. Comment pouvez-vous être au courant? Alors, attendez. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de vous suivre. Mais je ne sors jamais de Château Suif. Et c'est bon. Et ces moines sont si curieux, sont si ennuyeux, je veux dire. Jamais un sou vaillant sans leur poche non plus. Jamais un sou vaillant dans leur poche non plus, ouais, ok. J'ai vu Gorion, je suis tellement navré, je me disais qu'il pouvait vous arriver quelque chose dans le coin. J'ai par hasard lu une lettre sur le bureau. L'autre jour, je ne me souviens pas exactement de ce qu'elle disait, mais elle est peut-être encore sur lui. De toute façon, je ne vais pas vous laisser vous promener sans personne ici. Je ne laisse jamais tomber un ami. Non, jamais. Je reste avec vous tant que vous voulez de moi. Promis. Voilà. Donc on a... Vous êtes une bien étrange personne. Une voleuse avec nous. Imoen, pardon. Je sais pas pourquoi je dis Imoen à chaque fois. Ça, on va le mettre là. Et puis, hop. Donc, elle a un arc. Je n'ai pas une épée courte sur moi. Non, j'ai que le bâton. À la limite, à lui filer si elle veut. Mais, voilà. Sauvegarde. Ok. Et je vous reprends tout de suite. Ok, donc eh ben, j'ai vu qu'on était à peu près à 48 minutes. Donc on va juste... Non, hop. On va juste, c'est comment... aller récupérer les affaires de Gorion. Et puis... C'est fait. Et puis on verra pour le reste. Attendez, parce que je suis sûr que le son ambiant maintenant est trop fort. Voilà. On va juste récupérer ça et puis voilà. Bon, pour le moment, pas d'attaque. Bon, pour le moment, Imoen n'a pas d'équipement. Hop, on va récupérer les affaires. Donc on a une lettre, une dague, des pièces d'or. Là on a un joyau et une arme qui sera inutile. Et ici la même chose. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh ben, de toute façon, on va se quitter à la fin de ce tableau. C'est fait. Je vais aller encoder les vidéos, les trois parties de vidéos qu'on vient d'enregistrer, faire un montage pour couper le, enfin pour mettre un cache blanc sur les fenêtres de TeamViewer qui se sont affichées entre deux. Oups, on se fait attaquer. Passons aux choses sérieuses maintenant.
Eh, la vache! Bah, quand même. Bon, Et maintenant, où? Bah, si j'ai pas récupéré mon sort de soin. Pour une molène. Une tâche facile. Bon. Bonjour la compagnie! C'est une rude journée pour moi aujourd'hui. D'abord des bruits étranges toute la nuit et maintenant des foules de gens qui se promènent dans les bois. Vous avez quand même l'air un peu plus accueillant que les deux derniers. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Coldside. Ouais, ok. Donc ce personnage est inutile, hein, on est d'accord. Conseil de bonne volonté, c'est tout ce que je peux vous donner. Faites-vous des amis, voilà. Il nous dit simplement parler à un maximum de gens et puis bon, bah, restez sur nos gardes et puis voilà quoi. Allez en paix comme on dit. Voilà. Et là, on va encore récupérer deux membres de notre groupe. Deux membres pas très importants. On va de toute façon se quitter, je pense, après les avoir récupérés. Montaron, vous étiez exaspérant! Cela nuit à mon équilibre. Ok. Attendez, Montaron, cette jeune personne a besoin d'aide. Quelqu'un vous est tombé dessus. Vous avez failli y passer. Et Xar, on dirait qu'ils sont pas allés, qu'ils y sont pas allés de main morte. Je serais ravi de recevoir votre aide. Rien à craindre de ces simples potions. Et vous me devez rien. Que votre conscience vous dise l'inverse. Comme tous les gens bien, ok. Donc il nous a donné une potion de soin encore. En guise de paiement, vous pourriez venir avec nous à Nashkel. C'est une région à problème et nous devons enquêter sur des rumeurs inquiétantes concernant la mine locale. Certaines de vos relations sont très inquiétées. Certaines de nos relations sont très inquiétées à propos de la pénurie de fer. Elles aimeraient savoir qui sont les responsables. Vous pourriez nous servir, mais je ne vous forcerai pas. Nous devons rencontrer le bailli de la ville, un dénommé Bérin Tumor, me semble-t-il. Alors, ok, donc je me joindrai bien à vous, mais je dois d'abord rencontrer quelqu'un. Vous pourrez peut-être m'accompagner. Alors, notre temps est précieux, mais il faut mieux voyager en groupe. Alors, attendez, je vous explique juste un truc. En fait, ces deux personnes-là vont venir avec nous. Leur objectif, ça va être d'aller jusqu'à Nashkel. Et arriver à Nashkel, les aider dans leur enquête et puis c'est tout. Si on tarde trop, ils se barrent. Voilà. Avec nous, mais vous nous avez fait perdre du temps. Bon, voilà. Hop, alors on va reprendre. Et maintenant, que se passe-t-il? Une tâche facile. Sachant qu'on peut faire ça, je crois. Non, on peut pas. Okay. Bon. Attendez, on va juste faire un truc. Alors, on va essayer un truc juste rapidement. Ok, on a réussi à dormir. Donc, Imolène est un poil soigné. On va essayer une deuxième fois. Merde, on s'est attaqué. Oui, bien sûr. Madame vous coupera un morceau. C'est pas possible. On a deux blessés maintenant. Ok, bon, on a juste un blessé léger. Oui, bien sûr. Rien de bien grave.
passant, arrêtez-vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme. Ce personnage n'est pas intéressant, c'est juste... Il y a des personnages comme ça qui sont mis en pour combler, mais qui sont vraiment pas... intéressant. Bah écoutez, bah sur ce, bah j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Nous nous retrouvons pour l'épisode 2. Et sur ce, bah je vous dis à bientôt.